Il y a eu un temps où la droite faisait des pétitions contre les mosquées. Maintenant, les musulmans reconnaissent que la droite est plus ouverte à la construction de mosquées. Alors, le foncier, qui donne le foncier? Alors, le foncier, on peut donner un terrain. Hein, on a des cas, on a un cas pratique dans ma circonscription à Clichy-Montfermeil. Donc, on trouve un terrain, c'est pas toujours simple, mais le regard des voisins, il a beaucoup changé. Mmh. Non, le problème, faut des sous. Faut 3, 5, 10 millions d'euros. Et donc ça, étant donné que... Mais la communauté peut pas payer? Oui, mais la communauté, elle ramasse des petits billets de 5 euros. Il n'y a pas beaucoup de réussite, de grosses réussites. Là, il a raison, la communauté, elle peut payer. Je pense maintenant les églises. On construit encore quelques églises. Je prends l'exemple des catholiques. Il existe les chantiers du cardinal et ce sont les cathos, les chrétiens qui payent. Oui, Jacques, vous avez raison, mais les catholiques, ils sont là depuis 500 ans. Oui. Mais c'est vrai, mais nos frères musulmans peuvent s'organiser et qu'il y ait une participation de la communauté. Ils n'ont pas les mêmes revenus que nos frères catholiques. Mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le bilan, il est réalisé avec une reconnaissance du Conseil français du culte musulman. Il y a eu quelques difficultés sur la réélection de ses responsables, mais il y a un vrai problème financier. Et donc, ce qui avait été envisagé à un moment, c'est qu'on puisse passer au-dessus de la loi de 1905, si on peut me permettre cette expression, en faisant en sorte qu'il y ait un peu un plan de rattrapage.